A plus tard, Goldo. Bonne chance avec Isaac. Silencieux pour pistolet. Eh bah, déjà. C'est surtout ça, en fait, qui m'a fait. Qui m'a fait piou dans mes yeux. Harnais 9, pas ancestral. Harnais de coton laine en lama tressée, porté un jour par une personne nommée 9 pas. Permet de fabriquer plus de munitions. Okay. On a des porte-chargeurs. Ça aussi, c'est nouveau, hein. Ça n'existait pas dans l'ancien. Enfin, dans les jeux précédents. Quoique, dans le deuxième, si. Il y avait un système d'échange avec des rebelles, en fait. Mais. Non, en fait, quoique si. Non, si, si, ça existait. Non, je dis de la merde. C'était pas comme ça, mais ça existait. C'est un fusil à pompe, ça? Ou c'est un fusil d'assaut? Ah, c'est un fusil d'assaut. Viseur pour pistolet. Bon, on va prendre ça. Excellent choix. Excellentio. On a des matériaux, des plans de concentration, perception. Je veux du soin. J'en ai combien? Ah bah voilà. Profitez-en bien. 24 sur 24. Oh, j'avais pas vu, merde. J'étais pas sur 24 quand même. Je vais devoir faire de la place si je veux prendre ça. Ok, non. Je peux pas. Matériaux, poudre noire. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Flèche silencieuse. Ah, comme ça, du coup, on n'a pas besoin de les crafter, en fait. Cool. C'est un marché convenable. Pas de peau d'urk ancestral. Porté par un éclaireur ou un chasseur, une nation furtive procure plus d'expérience. Yes, ok. On va prendre un peu de matériaux. Excellent choix. Profitez-en bien. C'était un plaisir de faire affaire. C'était un plaisir. Jonah, j'ai trouvé des ruines Inca, mais les fondations du temple ont l'air plus anciennes. Oui. Abby se rappelle où elle a vu ce symbole. C'est quelque part à l'intérieur du temple. Super. Dis-lui merci de ma part. Je t'entends. Tu peux me remercier en cassant rien du tout. J'arrive tout de suite, Lara. Partons du principe que... elle a le talkie-walkie qui est connecté à un micro dans l'oreillette. Et il parle comme ça, il communique comme ça. Elle doit être extrêmement proche quand même pour entendre Lara et pouvoir lui répondre aussi clairement. Elle doit être très très proche de Jonah. Non ? C'est juste des suppositions, hein, comme ça. Mais bon. Du voici coup, on fait... Koniraya, le dieu Inca de la lune. Ok. Ouais, bon bah go l'histoire, quoi. Go l'histoire. Eh, hombre! Je les entends appeler depuis sous la terre. Toutes ces voix. Les anciens dieux. Peut-être qu'il faudrait juste vous reposer. Non! Voyez vous-même. Voyez où le souffle des dieux s'élève du ventre de la terre. Écoutez leur hurlement. Je n'avais pas remarqué. Il est où, ce souffle? Vous verrez. Vous l'entendrez. Vous apaiserez peut-être leur tourment. Ah, toi aussi, tu es schizophrène. Ok, cool. Y'a quoi là? Niveau feu de camp, nouveau feu de camp découvert. Okay, cool. Tada! Les trinitaires sont vraiment à cran. Mais s'ils sont ici, c'est qu'ils ont de l'avance sur nous. Et ça veut dire que je suis sur la bonne voie, je crois. Si Dominguez a raison et que le soleil meurt, je dois à tout prix trouver cette boîte avant lui. Attends, on a bien acheté un silencieux. Comment ça? Comment ça fonctionne?
Lara, comment on met un silencieux sur ton arme? Fabriquer. Ah, fabriquer quoi? Des balles? Quelqu'un a une idée? Parce que là, je comprends pas pourquoi. On a acheté un silencieux, on se fait chier à acheter un silencieux, mais. Améliorer, équiper. On équipe. On équipe, j'ai dit. C'est ça le silencieux? C'est le truc pourri là? Oh la vache! Ah, mais on s'est fait arnaquer! Et apparemment, il marche que sur l'ancien flingue. Non, mais t'as vu les stats quoi? Ah mais s'il te plaît. Bon bah. Bon, on garde l'ancien. Enfin on garde le plus puissant. Ok. Je crois pas que c'est. Ça soit là hein, le chemin par contre. Je crois qu'on a pris un autre chemin là. Tombeau. On va au tombeau. Monolithe découvert, c'est ça? Améliorez votre savoir. Ok. Oh, impossible de comprendre ce que je lis. Je suis dans l'arène, garde la lumière qui soigne ses potes, reprend 50% de sa vie partout. Ça paraît dans le jardin de HP ce jeu. Silencieux du pauvre que tu as pris. C'est ça. C'est un safari dans le jardin d'un HP. Hmm, je suis pas sûr de suivre. Faites pas attention. Faites pas attention. Au tir. Complètement loupé. Ah, hôpital psy. D'accord. C'est ça. C'est vrai que ça fait une cour en fait. Ça fait une cour derrière, une maison. Derrière un institut. Donc je prenne l'habitude d'utiliser la vue, parce que vu que moi j'ai pas la vue normale de Lara, ça peut être vachement utile pour moi. Il faudra l'augmenter surtout. Tout est plein, je peux plus rien prendre. Tout est pleino. Ok. Ouais, faudra augmenter cette vue, elle est cool. Enfin, pour moi, c'est vraiment le seul moyen de voir un peu les choses en avance. Matériel manquant. Ok. Lara se drogue. Cache de survie. Ok, nouveau... nouvelle aptitude, sûrement nouvelle chose. Bon, elle veut pas. Qu'est-ce que je fais? Je saute? Qu'est-ce qui se passe? Comment quoi? On saute?
On teste. Youhou. Elle est encore en vie. Par contre, les eaux sombres comme ça, là, les eaux troubles, c'est pas trop mon kiff. On va regarder quand même. Oh la vache, comment c'est grand. Allez. Faut pas que je suis en stress. J'aime beaucoup les mouvements qu'elle a dans l'eau. Ils ont dû super travailler sur ça. Les mouvements qu'elle a dans l'eau, ils sont super classe. Super jolis. On dirait vraiment une sirène, quoi. S'abuser. C'est super naturel et tout. Franchement, c'est top. C'est vraiment la nouvelle chose qui dépasse tout pour le moment, pour moi. C'est vraiment le nouveau truc, quoi. Ça fait un peu loin quand même, non? Oh putain. Allez Lara. Non. Il n'y avait pas de paroi, on est d'accord. Lumière, Aziz, merci. Ah ah! Fallait juste un peu plus regarder. J'ai pas assez de place pour ça. C'était tout con, hein. Défi tombeau. C'est stylé. Oh. Oh. Appuie sur Z pour descendre, rappel les murs pouvant être escaladés. Oui, non, mais je connais ça quand même. On l'a déjà fait. Quoi ça? C'est quoi ce truc sur la gauche? Un singe, mais bon. Comment on descend? Non. En théorie, là, je dirais que c'est bon, là. Elle peut sauter, non? On est d'accord? Créature de The Forest, non. Celle-là, dans les grottes, là. Avec plusieurs jambes et tout, c'était horrible, ce truc. On dirait qu'elle pourrait sauter, là. Ouais, ok. Parce qu'il y a une sorte de petit tremplin, je me suis dit... Eh. C'est sûrement ça. J'ai augmenté la brillance du jeu par contre, parce que des fois c'est un peu sombre. Donc j'ai augmenté de quelques crans. C'est quand même pas mal sombre des fois. Tada! Project Hospital aussi. Je regarderai.
Lui, il a l'air de s'infiltrer. On va éviter de tirer des flèches de feu, je pense. Ah, m'a fait peur cette conne. Oh la vache! J'avais oublié ce QTE à la con. Ah! Faut se débattre et après faut appuyer sur Y, je crois. J'ai oublié, moi j'appuie sur un peu tout. Ah! Là, je suis tombé comme une merde. Ils arrivent. T'es sérieux? Bah putain. On va peut-être pas faire ça maintenant, Lara. Ce que je voulais que tu fasses, c'est recharger. On a encore combien de balles? Ça va. Ah, le flingue, ça devrait suffire en fait. Le flingue, ça devrait suffire. On va garder le flingue en main. Je pensais qu'une balle dans la tête, ça irait, mais au final, il en faut quand même quelques-unes. Genre deux, trois. Oh la vache. C'est joli en tout cas. On dirait ça me rappelle The Descent, le film d'horreur. La représentation d'un sacrifice. Quand les cavernes se mettent à hurler, un guerrier doit descendre soulager ce tourment. Si on ne peut pas sacrifier un guerrier, tous mourront. Hey. Plus. Petit peu rapide. Lumière. C'est joli, il y a de la chair putrée et des os partout. Bah oui, mais c'est stylé. Nouveau feu de camp, où ça? Ah là. Là, il n'y a pas de bois aux alentours, donc c'est toujours très très important. Je me rappelle, ça m'avait foutu tellement dans la merde dans le deuxième jeu. Il y avait une grotte super profonde, j'avais pas assez de bois pour allumer le feu, donc ça m'a complètement marqué, parce que j'ai dû refaire genre 45 minutes de jeu, c'était abusé. Ça m'a super marqué ça. Œil de l'aigle 2 et œil de l'aigle 3, il faudrait. Ah, l'état sauvage, l'instinct de survie. Ah oui, non, l'instinct de survie, on s'en fout. Les pièges, non. Négocier. Ah, négocier des réductions. Ah, cool. Je voudrais bien récupérer mes flèches sur les cadavres, moi, perso. Je sais pas si on peut. Enfin, on peut sûrement, mais c'est quelle habilité, dégâts? Non, ça doit être là-bas, là. Augmente la chance de trouver des animaux rares. Non.
Ou alors on l'a déjà pris. Je sais pas. Augmente la chance de récupérer des flèches en fouillant les ennemis et les animaux tués avec l'arc. C'est ça qu'il faut. Donc il faut débloquer. Ça c'est... Ah oui, c'est tombeau ça. Merde. Donc il faudrait passer par là et là. Sympathique leur système, j'aime bien quand même. Oups, non. Comme hier, je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Garde le pistolet à la main. Tu peux pas te mettre à quatre pattes et t'accrocher au tronc, non ? Hein, Lara ? Tu veux vraiment que je passe par là ? T'es sérieuse ? Tu veux pas passer ? Voilà. Attends, ça, ça a l'air d'être le chemin principal. On va aller voir de... dans la crevasse. C'est la sortie. J'ai rien dit. Au moins elle me prévient, c'est bien. Le défi Lord Dragon EX. Oui, bien sûr. Mais c'est un vieux défi, il est revenu. Je l'avais déjà fini, moi. Xolotl, le dieu de la mort. Je dois aller là-bas. Dieu de la mort, je dois aller là-bas. Ah oh, putain, encore. Zoologue. Je devrais pouvoir éteindre ce feu. Ok. C'est l'heure du puzzle. Je peux passer par là. Quoi ? Tu peux passer par là. Oh ! Qu'elle raconte. Oh la vache. Tu veux que je m'accroche et après on saute, c'est ça? C'est fou. Ok, ça c'était moche. Oh wow wow wow. Ok. Ah. Oh merde. Faut juste continuer sur le côté, d'accord. Hmph.
Ah, faut casser cette partie-là là, avec, avec ça, je crois. Tada! Yes. Trop fort. Est-ce qu'on peut passer directement ou pas? Non. Alors maintenant on va arrière. On peut pas? Enfin, je sais pas. Moi j'aurais dans l'idée de couper le vent quoi. Quelque chose le maintient. Quelque chose le maintient. Il faut plus de puissance. Alors, accroche-lui-là à ça. Voilà. Et maintenant, fais demi-tour. Ah, comme ça, comme ça. Voilà. Maintenant, je dois faire bouger l'autre pendule. J'ai cru qu'on était dans une difficulté où tu ne m'aidais pas, Lara. J'avais compris. Et là, ça devrait l'arracher. Aujourd'hui, elle est très bavarde, je sais pas pourquoi. Ah, est-ce que le feu est éteint ou est-ce qu'il va se rallumer? Non, c'est bon. Okay. On va bien devoir faire un showdown avec les loups. Ah, vous voyez les succès. Ça aussi, hein. Normalement, vous devriez pas voir les succès et tout ça. Vous devriez pas voir l'overlay de Steam. Bizarre. Câble de huracan. Réduit les dégâts de feu et d'explosion. Ça, c'est cool. Il est temps de filer. Ça, c'est cool. On peut pas passer par un chemin plus direct? Non. Ah, ça va, tout est fermé. Go, 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 go. Pas oublier de s'arrêter au feu de camp. Tada. Je vais voir la cape.
Ah non, c'est une compétence qu'on a débloquée. Elle est en bas. Cap de Hulakin. Bon. Perso, je le voyais plutôt comme un équipement. Mais bon, pas grave. Genre Lara avec une cape. Ça aurait été bien. Non. Ce donjon te rapporte quoi? Bah ça. L'habilité. C'est des habilités, hein, c'est comme le deuxième jeu. Hein. C'est des habilités de survie en plus. Là, ça sent le combat par contre. Tout est plein. Je peux plus rien prendre.